Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je suis Yann Ninja. Aujourd'hui, nous allons parler du mono et du stéréo. Parce que là, j'ai reçu un message de Romain dans le forum qui veut comprendre la différence entre les deux. Et nous allons tenter de donner une explication à ce sujet. Alors là, j'ai importé un fichier audio en stéréo, le même fichier je l'ai également importé en mono. Donc nous allons commencer par jouer le stéréo. Voilà, par la suite nous jouons en mono. Alors en jouant ces deux fichiers, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence au niveau de la qualité du son. Donc ce que nous pouvons dire, que ce soit le stéréo, que ce soit le mono, la qualité du son est pareil, ça reste identique. Maintenant, un fichier stéréo, c'est simplement un fichier qui possède deux lignes d'ondes sonores. C'est-à-dire, nous avons un canal gauche et nous avons un canal droit. Ce sont ces deux canaux qui constituent le stéréo. Par contre, un fichier mono est un fichier qui possède juste une seule ligne d'onde sonore qu'on ne voit dans un seul canal. Moi, je conseille vivement d'enregistrer vos éléments en mono et d'aller vers le stéréo. Nous pouvons partir du mono vers le stéréo, c'est-à-dire nous pouvons enregistrer nos éléments en mono et faire une sortie en stéréo. Le tout se joue surtout pendant le mix, lorsque le technicien ou l'ingénieur effectue ce qu'on appelle généralement les panoramiques, c'est-à-dire il décide d'envoyer certains éléments à gauche, d'autres à droite et d'autres un peu plus centrés. Donc c'est un peu la petite explication que je peux donner à ce sujet. Le tout dépend vraiment de chacun de nous, comment est-ce que nous voulons travailler. Mais pour ma part, je préfère souvent travailler en mono parce que lorsque nous travaillons en mono, nous avons la possibilité d'enregistrer plusieurs pistes sans que le projet ne bug. Voilà à peu près ce que je peux dire à ce sujet. J'espère que j'ai répondu à la question et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.